Donc, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur Chanel Mon Affaire Bon TV. Eh bien, dans information, nous prenons le détail pour parler comme ça. Côté qui gagne 8 policiers, bandits prennent en otage. 8 policiers, bandits saisissent Zamio, bandits saisissent Kobio, bandits saisissent Sentiroyo, bandits saisissent tout ça qui était sous yo. Eh bien, nous prenons le détail ça. Par la suite, nous Monsieur Pablo, bonjour. Et ça qui est important, pour faire pour moi. Et ou même ou c'est chef Tokyo, je pense que c'est vous qui dirigez la zone ça. Mais policier ça, nous prend, monsieur, on moué qui s'en décafe, vous et policier ou al faire ou tout. Parce que normalement, c'est mauvaise image dans la zone. Les gens de la zone ça va passer, son paquet de policiers qui sont dans l'enterrement, ou éléments qui sont les bouchons, qui se amis nous, qui se partner nous tout, comme si qui fréquentent la zone en pile. Et le coup, il y a l'agent de la zone ça va passer. Je pense que nous avons une mauvaise direction. Pablo, changez-vous. Faites les gens, remettez les amis et puis les machines pour faire ou tout. Parce que les gens sont policiers. Ou pas comme si vous avez ciblé les zones comme ça. Ok? Eh bien, dans l'autre actualité, bonne nouvelle. Je vais vous montrer une vidéo ça. Côté 150 docteurs haïtiens, 150 spécialistes. Eh bien, il y a parlé de remettre ça aux jeunes pour le coronavirus. Je vais éviter nous attendre par la suite. Eh bien, nous sommes capables de relayer dans le numéro ça si nous avons fait commande. Et nous-mêmes qui sommes en difficulté. Je salue la presse et je félicite M. Pierre-Louis pour l'initiative ça quelque part. Moi-même, c'est docteur Alci, médecin généraliste. Que les monsieur Pierre lui expliquer nous projet ça étant que médecin conventionnel nous te voulait aller ensemble avec conventionnel là pas ici notamment monde qui fait sucre monde qui fait cholestérol monde qui fait kyste monde qui fait asthme monde qui fait cancer dio guéri monde qui fait infection dans cerveau dio guéri monde qui fait fibrome dio guéri. Donc c'est bagaille extraordinaire. COVID-19 là nous préparer lui avec tout le monde qu'on connaît, nous mettait en tenis à la dame qui fait armoise bon ici. Nous utiliser aloe vera. Nous utiliser une plante que nous connaissons nous connaissons ici dans nos vulgaires là qui fait des dos. Nous utiliser associ, nous utiliser eucalyptus. Nous utiliser gingembre avec un pile l'autre fait encore. Nous baillons mon année dépendamment de niveau mon si son monde qui grave nous balayons pour le prendre chaque 2 heures de temps si mon est arrivé dans le stade côté les pas risquer si c'est un monde qui juste bien des signes des symptômes que les doutes toujours les capables prendre 3 fois par jour il prend 2 bouchons chaque 8 heures de temps. Nous gagnons deux, Wow. Et nous avons une grosse distribution matériel médicaux qui fait dans tout le pays. Et bien, même distribution ça que nous connaissons que le gouvernement a commandé pour 18 millions de dollars. Et bien, nous avons un journaliste qui a dénoncé ça. Et information dans bon dynamique, nous voulons partager avec nous, puisque nous sommes journalistes sur le groupe ça. Ben, c'est important pour nous au courant de ce qui a passé là. Faut que nous prenions pile précaution, hein. Matériel que l'État haïtien te voye acheter à l'étranger, 18 millions de dollars. Information bon timamit qui revient, je ne me fais croire que Grand Orient en pouvoir, yo, censé voler tout matériel. Ça veut dire, dans ville provinciale, pas gain rien qu'à l'jouer. M'a dit ville province. Même dans grand, dans l'hôpital général, par exemple. Mon yon pas jouer, hein. Et ministre santé publique là madame Greta Roy Clément trouvé le jodi à la 2 pieds long ti soulier. Pour qui ça parce que li vle fait dispatching matériel pour le voyer dans ville province. Li pa ka jwenn matériel pour le voyer dans ville province. Par exemple, m'apprenne depuis nan mitan semaine ça là. Ministère santé publique voyer mandé direction départementale sanitaire sud-est DDSE pour voyer machine vin prend matériel. Jodi a fait 3 jours depuis que machine nan Port-au-Prince, yo pa ka jwenn matériel pour yo voyer Jacques Mel. Ou écoutez nous jodi an. Donc ça veut dire nous même qui journalistes qui sous groupe ça là qui gagne chance pour nous faire émission Libre Tribune ou bien opinion, faut nous gagner message ça yo. Faut que population connaît que monde qui sous pouvoir ça yo pa travail pour li.
OK, partager ça avec nous, me supposer que n'ava nous même tout partager là avec l'autre monde, autant de groupes qui possible pour mon yo connaît que ça qui a passé en dans l'état. 18 millions de dollars dépensés pour faire achat sans compter coûtail qui est en fait sous 18 millions de dollars, ti sac vini comme matériel yo nèg grand orient, gen nèg nan pouvoir qui gen clinique yo, qui gen médecin privé yo, voleur yo met la caillou. Greta wa obligé mandé faut gon inventaire qui fait au moins premier bagaille que le fait qui montrer que le gain caractère moun. OK, lui obligé mandé pour gain un inventaire qui fait pour vérifier effectivement est-ce que tout matériel yo té commandé yo vini puisque l'état haïtien parit en ken cargaison que ta doit arriver encore. Nous écoutez ni jodi et nous conscient que gain 78 haïtiens que immigration américain pral déporter dès mardi là là-dedans yo gain un gros tête. Monsieur Emmanuel Toto Constant, qui est-ce qui est Emmanuel Toto Constant? Eh bien, nous pourrons voir plus de détails et ça, c'est urgent parce qu'il y a un mouvement de panique là pour que monsieur Emmanuel Toto pas entre dans le pays. Oui, et donc, El Chapo, il y a un mouvement de panique là pendant qu'on parle là. Eh bien, 8 policiers qui pris en otage pendant qu'ils sont sortis dans un enterrement. El Chapo, qui ça, ça veut dire? Effectivement, il y a 8 policiers qui étaient dans un backup et qui prennent dans un haut. Côté qu'il y a un groupe individu qui sorti dans la zone Tokyo et qui t'a fouillé le monde au niveau de Carrefour Aviation. Côté qu'il va comme ça, tu vas prendre dans un haut. Côté de mettre les policiers en otage, côté de dire ils prennent des armes sur eux et puis ils ont pris avec eux et au niveau de Tokyo. Effectivement, ils font un bon temps, ils font 2 ans et demi au niveau de Tokyo. Donc on va pas la voir là et. Ils ont libéré, mais ils n'ont pas abattu les amis. Et bon, ils ont pris tous les amis, qui étaient sous policiers, mais ils ont libéré, ils n'ont pas la voix là. Ça veut dire que les bandits ont désarmé les policiers. Effectivement, ils ont fait machine à entrer en Tokyo, ils ont fait machine à entrer, et puis ils ont pris les amis qui étaient sous eux, ils font beaucoup de temps avec eux. Et pour moi, ce qu'ils ont fait pour un policier qui parlait avec les policiers, ils ont libéré eux, parce qu'on a même boost. Policiers, yo prend corps qui t'en avait policiers. Est-ce que nous avons information El Chapo? Est-ce que policiers ça yo et yo te gain uniforme sou yo? Oui, c'est un backup et information que t'as fait pour que son backup qui travaille au niveau de Carrefour Aviation, effectivement un point fixe et en face et marché Titoni, backup ça toujours. Son backup qui toujours fait et des montées descendent. Côté là tombé dans le prendre enquête avant pendant que monsieur t'a coupé lui-même et t'a fouillé le monde et puis là prendre enquête avant et puis mettre en haut et puis côté on t'a fait rentrer au niveau de Tokyo côté on t'a pour toute zone même bouche et le gars d'avoir un policier qui parle avec les policiers même bouche qui était comme là-dedans et au point il a sonné. Et n'a pas rappelé, mesdames, messieurs, pendant qu'on a parlé là, eh bien, nous avons audio, hein. Nous avons audio, côté que la police a essayé de négocier avec Bandisayo, mesdames, messieurs. Nous allons inviter nous dans l'audio, hein, tant comme ça. Mais par la suite, El Chapo, est-ce que nous avons information par rapport à combien de bandits qui ont été, combien de messieurs ont été comme ça? Nous ne parlons pas de bandits qui ont été, mais nous sommes sur les lieux. Effectivement, nous sommes dérivés au niveau de notre Tokyo et notre circulation. Côté qu'il y a une circulation qui est au niveau avec Tokyo, côté qu'il y a une section générale de police en contre-caspiro, côté qu'il y a un contre-caspiro au niveau de l'MAD, il y a un local chinois là, et un carrefour aviation encore, en face à l'étonnant, il y a un point fixe qui est toujours là en contre-guerre, qui est toujours des policiers là, qui sont toujours là. On est tout près là, on a des policiers, à tout ça. C'est quand même inquiétant parce que pendant nous que bandit ça va faire actualité, mais c'est sur certain El Chapo grand pile haïtien qui dans diaspora, en pile touriste qui rentre en Haïti, mais si c'est dans condition ça mon a peur, il pas de rentrer, si à chaque fois bien c'est au besoin corps et bien il décider que policier
que au civil y a volé y a frise nous et bien bagarre très grave. Mais El Chapo, nous gagne l'autre information qui extrêmement important et El Chapo, nous gagne ancien et chef gang, les nous dit chef gang, en plutôt ancien chef et frappe monsieur Emmanuel Toto et bien et ambassade américaine pour pas dire et immigration américaine décidé il va le déporter Emmanuel Toto qui ça ça veut dire gros mouvement de panique là et El Chapo. C'est pas lui-même, c'est confirmé. D'après ce que nous avons au niveau de l'ambassade américaine, effectivement, et Emmanuel et alias et Toto Constant, et ancien chef froid et sous gouvernement général de la République de l'État, effectivement. Font-ils parler plus fort pour nous? Oui, Toto Constant, ancien chef, et c'est Emmanuel Toto, il peut répéter tout sinon constant. Effectivement, et c'est ancien chef froid et sous gouvernement et c'est grâce à. Et il y a pour l'entrée avec les 78 autres haïtiens. Nous on parle avant là, déjà nos bases, et côté qui a préparé et dès après-midi, dès après-là, ça se pose sur le sol américain. L'information qui vient, c'est dans l'aéroport au Cap, qui a descendu et côté qui est ministre de l'Église. Et même il va jouer des agents sous glace, côté pédagogique, c'est Haïti Tayo. Et pour ne pas avoir l'option d'ailleurs pour Covid-19 là, pour ne pas rentrer dans le pays avec lui. Mesdames, messieurs, yon moun kankou, yon ancien chef et Emmanuel Toto, chef frappe, c'est pas n'importe qui. Ça veut dire que c'est un monde qui a influence, ça veut dire que c'est sur cette équipe Lavalas, monsieur yon paniqué. Et donc, mais comment la justice haïtienne ou ça, les un gros mob comme ça va entrer dans le pays, ça veut dire que c'est un monde en tout moment, il y a mettre instabilité dans le pays, il y a influence, qui ça veut dire, comment autorité ou ça, est-ce que monsieur va aller en prison directement après qu'il sorti dans la quarantaine, non? Est-ce qui ça crive exactement avec prisonnier ça? Monsieur Emmanuel Toto Constant, eh bien, c'est un ancien chef. Et frappe, ça veut dire, nous comptons qui va les dégâts, mais c'est ça où tu fais, et sous époque ça. Je dis là, est-ce que la justice haïtienne gagne de quoi pour reprocher? Mais j'en ai dit, monsieur, c'est pas n'importe qui, mesdames, monsieur, ça veut dire que c'est sérieux là. Alors, Haïti, et dossier, c'est les chaud, mais bien que les dossiers aient 7 ans, 10 ans, c'est toujours l'enquête qui se poursuit. L'enquête qui se poursuit. Par exemple, c'est toujours fait. Exactement. Et on nous poursuivre avec l'autre actualité El Chapo. Nous voyons que nous avons Anel Joseph qui parlait aujourd'hui là et nous voyons que la police et justement directeur de la police a yo t'a questionné Anel. Jean nous va le suivre vidéo en taler comme ça mesdames messieurs. Et bien Anel dans l'actualité même Jean nous avons Yannick Joseph nous t'a tendu le radio seul lui-même qui a expliqué que bataille en continuer parce que lui-même c'est question by mystique. Yannick Joseph croit que c'est une mission qu'il vient faire pour le pays d'Haïti et tout ça qu'a fait il est pas responsable de ça, c'est plus Ogou Ferraille qui voit il vient faire travail là. Ça c'est Yannick Joseph. Donc justement El Chapo, nous gain plus distribution qui fait aujourd'hui là et distribution médicaments. Effectivement, le ministère de la Santé publique, depuis hier soir, c'est qu'il y a un cargaison et le matériel qui est entré au niveau de l'aéroport Maïgadé, des bonbons de gaz et des kits médicaux. Et le kit Sayo, ministre et madame Marie-Gouda Clément, d'après une conférence de presse qui est dans le matin, il a fait comprendre que le matériel Sayo est supposé aller au niveau des quatre départements. Département CIDES, département NIP, département Gordas, département CIP.
matériel ça yo li ta fait comprendre que c'est pas pour capitale là, c'est pas pour l'ouest, c'est pour département et province. Il a fait connaître et matériel c'est déjà bien matériel que département de l'ouest a recevoir déjà matériel ça yo. Nous on parle avant là yo rapporté des contrôleurs yo en route pour et direction ça on a parlé avant là direction CBS Godot NIP. Et dans notre information, nous connaissons qu'il y a une pile rumeur qui a circulé, mesdames, messieurs, comme quoi que le président Jovenel t'a dû partir 7 février 2021. Eh bien, nous avons monsieur Ronnie DeRoche s'est monté 7 fois 77. Eh bien, pas de question que le président a quitté 7 février 2021. Le président Jovenel doit partir 7 février 2022. Et d'après Denis DeRoche, et est-ce que nous avons plus d'informations sur ça et El Chapo? Et par rapport à cette démission du président, et 7 février 2022, et on peut voir qu'il est venu au niveau de même pas ici. Faut-il parler plus fort pour nous, s'il vous plaît. Effectivement, et on peut voir qu'il est venu, côté qui est en train de comprendre que le président a fait une constitution amendée à 6 à 4 ans. Mais on peut voir qu'il est venu, c'est à demander des informations. Ça veut dire que nous avons passé un an privé et sous 7 ans et président et je viens là. Côté que voilà ça a levé, il faut comprendre que ça va passer. Si vous avez un an, je viens pas capable de passer un an la place. Amen. Allô? Oui, n'attendons, Chapo, n'attendons. Oui, c'est un pile, voilà levé. Mais qui est-ce qui devait voir ça? Qui est-ce monde qui devait ça? Et pour aujourd'hui, là, un président qui est élu, un président qui a l'élection, non seulement le gagner, il paraît me gagner une fois, il bat négo deux fois, pour monsieur a osé demander pour le président et faire 4 ans pour le faire 5 ans. Mes amis, en nous sérieux, nous n'avons pas parlé de démocratie, là, ce n'est pas une question de président Jovenel, non. Tout président de nos pays, pas une question, nous avons besoin l'élection. Et si il y a une élection encore, si tu as une élection demain encore, El Chapo, président Jovenel a battu encore, c'est ça qui est là. Effectivement, on peut voir arriver et bien, nous parlons dans toute l'émission radio, maintenant que dans la matière, dans la filiale, nous avons parlé, tout le monde connaît, et des personnages de public, côté que les gens sont rebondés, le président va faire l'élection, et on a une transition énorme, et même pour réaliser l'élection. C'est ça. C'est toujours ça. Eh bien, puis elle en finit. Puis à l'infini, mesdames et messieurs, question chaque lè, un président monté, c'est toujours question transition. Yon transition pas jeune fini, mesdames et messieurs. Nous, dans qui état transition mette pays d'Haïti, nous pas jeune capable de gon constance, nous pas jeune capable de fond bagay sérieux dans le pays. Hein. Nous pas dire que tel président c'est bon, c'est pas bon, non. Mais à chaque fois, on a créé instabilité, eh bien, mais ça le bail. Mais résultat, ça veut dire que jeunes sao qui gagne avenir, jeunes sao qui sont paquet et qui étaient capables de faire plus pour un dans pays, qui pas de possibilité parce que nous-mêmes nous détruisons l'avenir. Donc, eh bien, c'est sûr et certain. Et question 2022, on va se les régler. Et nous pas même besoin de tourner sur ça. Monsieur Sao, c'est toujours dans la transition au besoin pour voir. Eh bien, ça qui est passé avec privé, hein. Évidemment, président Jovenel pas tombé dans le ça. Et ça, c'est clair. Et merci en plus les chapeaux pour l'information. Est-ce que nous avons d'autres informations chaud et scoop? Oui, dernière information chaud, c'est un dispositif qui date 21 mai 2020, côté que le gouvernement prend toute disposition pour le monde par ses photos, vidéos, monde qui a COVID-19 ou sur les réseaux sociaux, côté que vous pouvez voir qu'on a amendé le coup et 15 jours emprisonnement. C'est très bien ça, c'est très bien. Et c'est très bien parce que c'est une bonne initiative parce que nous voyons que mais souvent, mesdames, messieurs, j'en ai même sous forme ça, nous qu'on a dénoncé ça. Monsieur a pensé des vieilles images négatives, voyez sur Facebook, voyez sur Twitter, voyez sur tout côté. Là, comme ça, c'est image pays d'Haïti n'a pas salon encore plus. Déjà, nous n'aurons pas El Chapo, déjà, yo est haïtien mal. Mais là, nous avons montré tout ça qui passe en Haïti, montré les gens qui mourent, question corona, question l'autre bagaille, bandit qui a tué les gens. Bien de partager, eh bien, li pas bon. Évidemment. Eh bien, merci en pile, El Chapo, pour l'information. Ça, yo. Merci. Bonsoir. Nous allons parler directement à Madame Pollyanna, qui est directement de Jacques Mel, qui parle de nous plus explication de comment Jacques Mel est. Mais nous allons parler évidemment nous-mêmes haïtiens qui sont dans la diaspora. Message extrêmement important pour haïtiens qui sont dans la diaspora.
eh bien madame Paulina, eh bien c'est une monde qui actuellement travaille avec plusieurs victimes d'organisation que les victimes qui sont victimes. Ça veut dire que ou capable reler directement, eh bien l'a capable aide parce que c'est sûr certain yo gagne avocat, yo gagne tout monde qui spécialisé dans matière, parce que nous connais nous recevoir en pile plainte, nous recevoir en pile monde qui victime, qui peur, qui par contre qui est pour aborder, yo par contre qui est à qui genre de avocat il a de faire affaire. Eh bien, je pense que madame Paulina, eh bien, l'itresse est spécialisée dans ce sens, elle est capable de bon nous. Et bon, en fait, je voulais saluer tout le monde Canada qui a écouté là, saluer tout le monde Canada, tout haïtien dans la diaspora qui a écouté le Canada. Même pense que trop de problèmes n'y est. Parce que trop de problèmes qui nous ont en Haïti. Là, nous connaissons les États-Unis, nous connaissons qu'à Joe Biden, non, côté Joe Biden, nous nous prenons un bon petit monde, nous mettons en ville, nous mettons avec Madame Clinton. Quand il a fait des sacrifices humains, il a violé les petits mounes, les petits mounes sexistes, 7 ans. Et bah, il y a des bébés, tout, il a fait des sacrifices avec eux. Bah, il a été révélé, il y a un pile de photos, un pile de documents sous ça. Et ils ont obligé sur soi, sur lui, peut-être COVID-19. Là. Moi, je pense que il y a un pile de bagailles qui est urgent pour nous. Il y a un pile de bagailles qui est urgent pour nous. Ça qui est urgent pour nous, c'est les petits mounes qui ont un moment assistant. Il a violé. Quatrième avenue, tourné au côté qui déserte. Parce que quatrième avenue, par un grand monde là-dedans. Pour nous, cinquième avenue, par un grand monde. Si vous savez que 6 ou 7 a violé cinquième avenue, des milliers de personnes a violé, est-ce que vous avez éternisé sous Dadou Jambon qui peut-être violé 14, 15 personnes? Je ne pas dire que ça n'est pas important, non? Mais moi-même, je pense que droits humains, tu as supposé focus sur ce qui est important, sur kidnapping, sous moun qui va passer avec commerce mentissant, sous petit moun qui a violé, sous toute une zone sécrétée qui nous tourne en zone photo. Mais nous, justement, on a parlé de droits humains, même droits humains, ça nous gagne en Haïti, il n'est pas crédible, pas de monde qui fait confiance. Est-ce que ça, c'est pas problème lié tout, justement? Est-ce que des droits humains? Qui est amoureux des droits humains? Voilà. Mais en fait, dans le monde entier, droits humains, pas d'accessibilité là-dedans, nous sommes des vendus. Là, nous, derrière, par exemple, après RNDDH. RNDDH, depuis, ils ont parlé de un nègre, un bandit dans la zone mentissant, bandit dans toute zone, bandit si ça vient. Depuis, ils ont parlé de eux, RNDDH qui est en sortie griffe lui, parce qu'il a parlé de militants. Lui, il a agilisé tout le pays pour qu'il a parlé de militants. Est-ce que Kounia Mounio va gagner intérêt à une crise qu'a fait ça? Est-ce que Kounia Mounio va gagner intérêt à une destruction du pays? Est-ce que Kounia Mounio il n'y a pas d'intérêt à ce qui a passé de mal dans le pays. Exactement. Mais, Madame Pauliana, où sont les gens qui sont très écoutés, où sont les gens qui sont aimés en pile? Et quand même, je dis ou très influents quand même. Mais est-ce qu'il n'y a pas de possibilité, les n'a parlé pour faut que nous fassions une nouvelle politique en Haïti, faut que nous changions ancien ça, mais ou même qui sont jeunes, oui, faut que nous disions où sont jeunes, est-ce que ou pas jeunes pensées présentées pour changer la vieille classe qui nous est là, qui échoue complètement? Non, mais jeune, non, c'est pas, ça veut dire qu'on a l'autre mentalité, ou pas penser même Jacques Mounsa, ou pas en corruption, c'est ça que jeunesse là. Disons que j'ai une mentalité différente, même pas, ça m'intéresse. Je passe à un leader communautaire qui est très connu, dans Jacques Mel, il y aurait des messages pour tout le monde qui a fait mon TV, et bien, personne à Canadienne, la télévision qui est très prisée au Canada. Eh bien, lui-même, tout le côté de là, heureusement, il a sa sage là, et son monde qui est très plus dans la communauté Jacques Mel là. Je passe au lit pour ça, la cap, répondre à quelques questions dans mon affaire. Merci un peu. Ouais, salut tout le monde. Nous saluons, les amis, nous saluons. Comment ouais Jacques Mel, beaucoup de part, et qui comparaison nous capable de faire avec Jacques Mel, puis Port-au-Prince, c'est surtout Port-au-Prince, nous avons plus de problèmes de sécurité. Mais comment Jacques Mel est au niveau de sécurité hein? Bon, Jacques Mel, comparativement avec Port-au-Prince, c'est différent. Port-au-Prince, c'est même l'existence est invivable avec l'insécurité. Hein? Parce que vous gagnez route nationale numéro 2, qui fait un défi, ou bien un peur pour tout le monde qui a fait lui, qui est tout du côté de Mantissan, va. Et vous gagnez route nationale numéro 1 en tout, et qui fait un autre défi encore, le côté de Wall Pacific, c'est le soleil. Bon, mais Jacques Mel, on connaît que. Depuis Port-au-Prince, route nationale numéro 2, Mdadou a un problème et il est influencé sur Jacques Mel. Parce que c'est route nationale, il débouchait sur le Grand Sud. C'est ça. Et Jacques Mel fait partie du Grand Sud. Mais ça vient paralyser Mdadou
entre sortie qui gagne entre Port-au-Prince et département sud-est. Mm-hmm. Mais Jacmel actuellement là, il y a une insécurité qui pluie, qui commence, et il y a une insécurité sanitaire à tout. Wow. Avec question pandémie corona, qui a fait la une, Jacmel, écoutez que l'autorité sanitaire n'est pas vraiment équipée pour répondre avec questions, avec les questions que la pandémie a posé. Wow. Et surtout également, récemment, là, il y a un jeune garçon qui. Ça, c'est moi, Jacques-Claude, c'est Edson. Mm-hmm. Monsieur, c'est directeur de l'école de l'EIKA. C'est que monsieur était malade dans l'hôpital Saint-Michel. Et côté que, pas d'accompagnement, tout le monde peut arriver sous le conseil corona. Là, on fait test pour les résultats. Monsieur qui est mort, les résultats bas, monsieur qui n'a pas de corona. Wow. Et pour des problèmes d'assistance, problème peu à cause que monsieur mouri. Mais est-ce que, Jacques-Claude, nous n'avons pas l'hôpital comme si qui spécialisé dans la question corona? Non, pas gagné. Tout récemment, là, tu as un ancien local ministre, côté que l'État a été censé mettre en œuvre pour que tu es capable de répondre avec question corona. Population en vue de mentalité, barbarisme, en vue de mentalité, force d'hôtel, côté que je dis que ça n'est pas là, les rivières, les voisins. Wow. Ça c'est un problème lié. C'est un gros problème. C'est un gros problème parce que justement, je pense que si tu as un centre, c'est un avantage de taper pour nous tous. Pour ces gens qui malade. Ça, c'est un problème d'éducation. Wow. Mais qui ça nous prévoit faire nous-mêmes et qui a fait un travail remarquable là? Qui ça nous qui projet nous gagne sur fait là exactement pour nous passer à ça là? Bon, en tant que nous-mêmes, société civile, ou bien nous-mêmes qui sous scène, en tant que leader communautaire, bon, nous manquons, nous avons besoin des accompagnements de l'État, okay. Des amis de la diaspora également, tout côté, soit à joindre des aides quelconques, soit en matière de matériel médical. En termes de soins hygiéniques ou bien soins sanitaires quelconques, récemment là moi-même moi fais une distribution de kits sanitaires du côté de Sivadier. C'est 11 ans, moi gagne du côté de Bonpost qui fait un cadeau, quelques kits. En bonne qui gagne Clorox, savon avec des détergents afin que vous nous laver mais vous. Nous capable de faire gagner en quelque sorte. Ça, bon, nous connaît que bon, là nous fait des manœuvres du côté de l'État, et pas parce qu'on va défendre l'État, bon, nous connaît que l'État haïtien, son niveau économie, qui fonctionnait au quotidien. C'est que nous connaissons la douane, ça nous c'est l'aéroport, qui fait réception, qui alimente le trésor public. Et actuellement là, donc quand on a depuis le mois de mars, nous le pays a fermé. Yo servi de ça tout bon, pour démontrer que il y a une difficulté pour répondre avec des projets. Mais nous, jeudi samedi là, il y a une distribution qui commençait et dans le pays, mais parce que d'après l'information. Oui, distribution. Oui, dans quatre départements du pays. Des matériels médicaux que l'État a acheté vraiment à l'extérieur, de commencer à faire arriver jeune l'hôpital. C'est ça. Bon, ça que moi-même, moi pas rien, mais par son message, bah, toute population. Oui, n'importe quoi. Moi connais que idem que pandémie, c'est le monde qui frappé, Canada frappé, mais Haïtiens qui vivent Canada, ils ont rien à comprendre que. Haïti, son petit pays, il connaît la réalité pays, il connaît vraiment taille pays économiquement, taille pays financièrement, et taille pays du point de vue médical. Si il est capable de faire un coup à coup de frapper des choses qui font de marathon, checker des aides qui capable de permettre, même d'aider le peuple haïtien actuellement là, parce que nous, dans le mois de mai là, nous pensons que on a pas supposé baisser, c'est monter la montée en Haïti. Vrai. Définitivement. Parce que c'est monter la montée. C'est-à-dire que, contrairement avec d'autres pays, Haïti, c'est monter la montée. Mm-hmm. Et nous, on peut
qui ont un peu ramassé Thomas Hélène ou un coin. Oui. Nous comme ça, et que, on prend, Macron est. Mais est-ce que y a possibilité ou t'as laissé le numéro de téléphone ou si y a un monde qui t'a appelé ben un coup de main n'après rappeler que ou même ou dans le département c'est plus ou même ou plus ou par rapport au prince. Non, nous bon prince, nous Jacques Mel. Nous Jacques Mel, c'est ça. Moi-même c'est Louis Safage, téléphone c'est 49 15 45 55. Oui, rebelle numéro s'il vous plaît, si y a un monde qui t'a appelé 49 15 45 55. Merci un peu, et n'a pas rappelé tout le monde que c'est sûr, c'était un peu le monde qui est Jacques Mel, qui est dans la diaspora. Eh bien, si nous avons les potons au coup de main, c'est le moment parce que nous, Jacques Mel, c'est un dans le pays et dans la province qui démarque complètement des Port-au-Prince. Mais, question bandit, question insécurité, comment c'est Jacques Mel? Et nous, que question maladie corona, lui-même tout, lui a fait ravage dans Jacques Mel. Donc, merci un peu, les amis, et n'a pas merci Madame Polignan, que nous t'ai fait parler ça. Tout plaisir pour moi et pour nous. Merci en pile. Merci à vous qui faites voir nous arriver dans la diaspora du côté Canada pour seule fois nous attendre. Merci. Merci en pile. Donc, je vous remercie, mon affaire bon. Je vous remercie, mon affaire bon. Et parce que l'État, comme on était dit, on a chéri ça, ça je dis. Disons que l'État, et il n'y a pas fait l'État confiance, puisque, la vérité, c'est que, quitte à voler avec matériel de l'HTA, ministre Greta Clément, qui voulait faire distribution, mais ça qui vient de passer, c'est que, il n'y a pas qu'un quitte disparaît, qui a volé, il a fait zèle, voile pour payer ce chapitre. Ça veut dire que quitte jusqu'à présent, il n'y a pas qu'à joindre côté quitte, il n'y a pas qu'à joindre tout bon quitte passé. Si qui tu vas voir, si qui tu montes, si qui tu descends. Moi, je pense que le problème, ça, c'est un problème grave. Au vu et au su de tout le monde, tout le monde a volé, tout le monde a fait ça ouvrir, tout le monde a mis des machines insécurité avec vol là et dehors, pas de crédibilité dans l'État. Et c'est exactement ça qui a passé là dans le pays. Et pour insécurité, Jacques Mel, la femme de constat que Jacques Mel, c'est une question de temps pour insécurité à venir frapper Jacques Mel. Parce que, bagaille la grave, là, Kounia. Puisque tout gros bandit, votre pression, il est déjà installé dans la province Jacques Melio. Tout la province Jacques Melio, on vous bandit, les armes commencent et distribuer dans Jacques Melio. C'est ça. Il a quitté Port-au-Prince, il y a le cash dans la province maintenant. Oui, et ça qui passe, si ça vient, moi, je crains que le passe Jacques Melio dans les jours qui suivent. Waouh. Donc, Madame Polignan, est-ce que vous êtes capable de laisser le téléphone ou si vous avez un monde qui t'a appelé, surtout Aïssé Sao qui est dans la diaspora, qui t'a appelé supporter nous-mêmes, qui Jacques Melio, que vous faites nous confiance? Oui, et bien, là maintenant, moi-même, j'ai toujours proposé un partenariat public-privé, PPP, que je n'ai pas fait, parce que je n'ai pas fait. Et si on voulait faire un bagage, un point de vue médical, c'est vraiment un secteur privé pour checker. Et moi-même, j'ai parlé aujourd'hui avec le juge Karim, et me dit ça. Le secteur privé pour checker. Et là maintenant, moi-même, j'ai dit que moi-même, disposé et disponible. Parce que nous avons déjà travaillé dans le PST, nous avons déjà travaillé dans le matériel médical pour nous mettre sur le service public international. Moi, je dis ça déjà, et je vais essayer de chiter avec eux, je vais chiter avec ça, je vais chiter avec l'autre monde, pour nous capables, même les gens et des unités, celles-là, pour l'État lui-même, l'État qui a besoin, qui a besoin, qui ont les hôpitaux qui ont équipé. Et puis nous travaillons avec les médecins qui sont déjà sur place. Et là, maintenant, nous avons fait, nous avons demandé, vous êtes tout bien là. Nous sommes capables d'augmenter l'effectif, bien entendu, pour que Diaspora lui-même soit capable d'arriver. Combien de médecins cubains qui actuellement Jacques Mel là, qui a bon coup de main? Actuellement, Jacques Mel gagne peut-être 40 médecins cubains. Et comme je dis que médecins, il y a des infirmières, tout gagne là, des opinions, des périodes, il y a tout été à travailler, tout contre. Et médecins, ça y est disponible et nous sommes capables. Travaille avec Brigade Cubaine, ouvrions centre et coronavirus. Avec Brigade Cubaine, moi-même, c'est ça, moi-même, m'a proposé, et qui est vraiment fiable et viable, puisque la Brigade qui déjà gagné, qui compte le protocole, qui a fait respecter le protocole, et qui a une certaine crédibilité dans le monde. Merci, en pile, Madame Paul Polignan, pour te parler ça directement de Jacques Mel. Merci, en pile. Je vais rappeler mon numéro de téléphone, moi, c'est 609-3600-6666. Merci en pile. Et grand sujet qui est très important, nous pas grand à aborder, mais question victime quoi victime non pour moun sa ou qui diaspora sa ou qui perd dit terre yo et me connais son dossier que ou maîtrise très bien ou capable aider diaspora dans question terre. Eh ben 3600-6666 depuis on a besoin expertise, moi pas de problème, relève sur 3600-6666 ou bien voyez un message WhatsApp pour moi.
Merci en pile. OK. Merci en pile.